Faites la bienvenue aussi aux auteurs et aux écrivains. Je souligne la présence de Sylvain, que tout le monde connaît, qui est à côté de nous, là, qui est un apport considérable, non seulement pour la Pocatière et le Salon du Livre, mais pour l'ensemble de la Côte-du-Sud. Son intérêt pour la culture là, dépasse largement la région immédiate de la Pocatière où il se trouve. Puis d'où c'est un collaborateur qui est devenu incontournable puis indispensable au cours des années. Évidemment, cette année, c'est le 20e. Sandra, on a-tu un cadeau? Qu'est-ce qu'on a de spécial comme cadeau pour le 20e anniversaire? Ton projet, c'est quoi? C'est en fait de ramasser le plus de livres possible d'auteurs de la Côte-du-Sud et d'éditeurs qu'on va mettre dans une bibliothèque. On va faire un grand tirage à la fin du salon. On a la collaboration de la librairie L'Option qui nous ont fourni déjà des livres, la librairie Livre en tête aussi qui vont nous en fournir, éditeurs de la région. Plusieurs auteurs en ont fait parvenir, nous en viennent emporter chez nous, chez André. Alors, je peux vous dire, ce matin, on a dépassé le cap du 1 000 $ officiellement et avec tout ce que je compte qui va arriver encore, on va au moins atteindre 1 500 $ de valeur, incluant la bibliothèque. Donc, quand on dit une bibliothèque de livres, c'est pas un panier, c'est vraiment une bibliothèque physique avec des rayonnages de livres d'auteurs de la région. Alors, c'était pour souligner le 20e anniversaire, on trouvait que c'était vraiment intéressant. Il y aura aussi, bon, des auteurs étrangers, aussi des trucs promotionnels qui viennent de la librairie, entre autres, des articles promotionnels, toujours liés à la lecture, au plaisir de lire. Alors, c'est ça notre projet pour cette année. Puis, les gens vont pouvoir trouver le coupon de participation dans les publicités des hebdomadaires. C'est en remplissant le coupon? En remplissant le coupon et en l'apportant au salon. Il y aura une boîte prévue à cet effet. Donc, on veut aussi, par le fait même, favoriser à ce que les gens viennent au salon et n'aient pas seulement envoyé le coupon par la poste. Alors, en venant le déposer au salon, ils vont faire le tour du salon. Pour venir participer, voir les conférences, aller faire un tour à la librairie L'Option, aller voir des auteurs, découvrir des livres. Alors, c'est le grand prix pour souligner le 20e anniversaire du salon. Puis on est bien content de la réponse là, des auteurs, puis des libraires, nos partenaires là-dedans. Là, c'est un beau projet, puis ça s'en vient bien. du samedi jusqu'au dimanche, on a dû s'adapter quelque peu, modifier un peu les heures. Par exemple, le samedi soir, on a tout essayé le samedi soir. Tout le monde est en messe ici, Sylvain. On va essayer cette formule-là. Là. Vous avez vu les heures 10h à 18h le samedi. Et le dimanche, c'est toujours 10h à 4h30. Les bas des livres, s'il y a des gens dans la salle là, qui ne savent pas à quoi ça ressemble, le débat des livres, c'est tout simplement un coup de cœur qu'on a pour un livre, et plutôt que de garder ça uniquement pour toi, tu le présentes aux autres. 13h30, lancement du livre de Yves Dubé, il vous en parlera un petit mot de tantôt. À 14h30, on demandait tantôt c'est quoi la différence entre un lancement de livre et une présentation de livre. Mais il y en a un qui est un peu plus technique qu'une présentation, c'est une séance de signature, etc. Là, bon, 14h30, et l'auteur est ici, Madame Bélanger, qui est descendue spécialement de Saint-Marcel pour venir voir au bord de l'eau s'il y avait des oies blanches dans notre coin. Après ça, la dictée du salon, qui fait la dictée cette année, Sandra? En fait, elle a été rédigée par Madame Annette Deschênes, qui se trouve être la sœur de Jude. Une histoire de famille, ça? Oui, c'est une histoire de famille. Et Madame Annette avait gagné la dictée, oui. Je crois, il y a 2 ans. Puis, on avait l'idée aussi de peut-être faire une relève par rapport aux gagnants, demander aux gagnants de la dictée, d'écrire la dictée de l'année suivante, mais c'est sûr qu'il faut avoir le temps, le goût aussi. Puis là, cette année, Mme Deschênes a écrit la dictée. Son fils a créé une maison d'édition qui s'appelle Les Presses de Brodapic, qui seront présentes cette année parce qu'il a publié, les Presses de Brodapic ont publié, j'ai envie de rire, mais c'est vraiment ça. Brodapic, c'est légendaire dans le coin. Il a sorti un livre en quoi janvier dernier, justement sur la vie de son père, caricature, les sculptures, un magnifique livre donc, qui est sorti. Ils seront présents au Café Brioche.